Bonsoir. Eh bien, vous venez de pénétrer dans le monde fantastique de Démons et Merveilles, et pendant une heure, comme tous les mercredis de 23h à 24h, nous allons essayer de vous faire voyager par-delà les limites du rationnel. Ce soir, vous entendrez une petite nouveauté dans cette émission. Bien sûr, je vais vous raconter la nouvelle, comme d'habitude, mais après, et cela toutes les semaines à partir d'aujourd'hui, vous pourrez écouter une nouvelle rubrique. Une rubrique actualité du fantastique et de la science-fiction, avec exposition, cinéma, littérature. Ces informations vous seront présentées tout à l'heure par Patricia. Mais pour l'instant, comme promis, la nouvelle de la semaine, qui s'intitule ce soir « Le vaisseau maudit » de Wilhelm Hauff, tiré du livre « Histoire d'océan maléfique » aux éditions Librairie des Champs-Élysées. Wilhelm Hauff, auteur allemand né en 1902, mort en 1927. Comme il savait sa fin proche, il écrivit avec frénésie à partir de 1925 une œuvre entière comprenant des poésies populaires, des fables, des nouvelles, des romans, concentrés en 2 ans. Hauff avouait une admiration pour Tieck et pour Hoffmann. Le jeune homme était fasciné par les contes des Mille et une Nuits, comme en témoigne La Caravane, son recueil le plus célèbre en langue française. On peut également ajouter que c'est au vaisseau maudit que Jean-Ray fait allusion dans son 3e chapitre de Malpertuis. Nous écoutons donc tout de suite cette nouvelle de Wilhelm Hauff, Le vaisseau maudit. Mon père possédait une petite boutique dans la ville de Balzora. Ni pauvre ni riche, il était d'ailleurs de ces gens qui ne se risquent pas volontiers dans les spéculations aventureuses, de peur d'y perdre en un jour le fruit de longues années de travail. Il redoutait particulièrement la mer, et jamais il n'avait osé hasarder la moindre cargaison sur les flots. Un jour, cependant, un de ses amis vint lui proposer une affaire de ce genre qui présentait de si magnifiques chances de gain que mon père se laissa séduire et consentit à entrer pour 1000 besans, le plus clair de son bien, dans le nolissement d'un navire. 8 jours après, nous apprîmes que le navire avait été assailli par une tempête presque au sortir du port et qu'il avait péri corps et biens. Le saisissement qu'éprouva mon père en recevant cette nouvelle fut si violent qu'il en mourut subitement sans avoir pu prononcer un seul mot. Pour moi, qui venais d'atteindre mes 18 ans, ce désastre n'abattit pas mon jeune courage. Je fis argent de tout ce que mon père avait laissé et je résolus de partir afin d'aller chercher fortune à l'étranger. Un seul de nos vieux serviteurs, qui avait conçu pour moi un réel attachement, ne voulut pas séparer sa destinée de la mienne. Je l'emmenai donc. Nous nous embarquâmes dans le port de Balzora par un vent favorable à bord d'un navire en destination de l'Inde. Depuis 15 jours déjà, nous étions en mer lorsque le capitaine nous annonça une tempête prochaine. Son visage bouleversé semblait indiquer qu'il ne connaissait pas suffisamment sa route dans ces parages pour qu'il pût sans appréhension y subir une tempête. Il ordonna de ferler toutes les voiles et nous attendîmes ainsi les événements.
La nuit était venue, claire et froide. Et déjà le capitaine croyait s'être mépris sur les signes avant-coureurs de la tempête, quand tout à coup, un navire, que nous n'avions pas aperçu jusque-là, glissa si près du nôtre qu'il semblait presque le toucher. Un immense cri de terreur retentit sur notre pont. Le capitaine, qui était à mes côtés, devint plus pâle qu'un linceul. « Mon navire est perdu !» s'écria-t-il. « La mort fait voile avec nous !» Avant que j'eusse pu l'interroger sur le sens de cette exclamation, les matelots se précipitèrent autour de lui en criant et se lamentant. « L'avez-vous vu ? L'avez-vous vu ? » répétait-il avec angoisse. « Malheureux que nous sommes ! C'en est fait de nous !» Après avoir essayé de se calmer par la lecture de quelques versets du Coran, le capitaine alla lui-même se mettre à la barre afin de diriger notre marche. Vains efforts. La tempête nous gagnait à vue d'œil, et avant qu'une heure se fût écoulée, notre vaisseau se coucha sur le flanc avec un craquement horrible. Cependant, nous nous étions jetés dans les chaloupes, et nous nous efforcions, non de nous diriger, c'était impossible, mais de nous soutenir au moins sur les flots en fureur. La tempête durait toujours, et cette effroyable nuit semblait ne devoir jamais finir. Nous appelions le jour ardemment, ignorant quel nouveau désastre il devait encore nous apporter. En effet, aux premières lueurs de l'aube, le vent enveloppa notre barque dans un tourbillon et la renversa. Depuis lors, je ne revis plus aucun de ceux qui s'étaient trouvés sur le vaisseau. L'orage m'avait abasourdi, et quand je revins à moi, après un long évanouissement, je fus tout étonné de me trouver dans les bras de mon vieux serviteur qui s'était cramponné à la barque chavirée et m'avait tiré après lui. La mer s'était enfin calmée, et debout sur notre chaloupe aux trois quarts brisée, nous interrogions avidement l'horizon sans borne, quand tout à coup, dans le lointain vaporeux, un navire nous apparut, vers lequel, par bonheur, la brise nous poussait. Lorsque nous nous en fûmes un peu rapprochés, je reconnus ce même vaisseau qui nous avait serrés de si près pendant la nuit et dont la vue avait jeté le capitaine dans un si grand effroi. Je me sentis frissonner à mon tour. L'exclamation du capitaine, qui s'était si épouvantablement confirmée, l'apparence déserte du navire, les cris que nous poussions et auxquels nulle voix ne répondait, tout cela m'épouvantait étrangement. Et cependant, c'était notre unique moyen de salut, et nous bénissions le prophète de nous l'avoir si miraculeusement offert. À force de manœuvrer des pieds et des mains en guise d'aviron, nous finîmes par aborder le vaisseau mystérieux. Mais nous eûmes beau alors héler et crier de toute la force de nos poumons, rien ne bougea au-dessus de nos têtes, pas une voix ne nous répondit. Un long cordage pendait le long des flancs du navire. Je m'en saisis, et en un moment, je fus sur le pont. Quel spectacle m'y attendait. Aujourd'hui encore, après tant d'années, je ne puis me le rappeler sans frémir d'horreur. Le pont était rouge de sang. 20 ou 30 cadavres en costume turc étaient étendus pêle-mêle sur le plancher. Au pied du grand mât se dressait un homme richement habillé et le sabre à la main. Mais son visage était livide et décomposé.
lui aussi, était mort. Une longue cheville de fer qui lui traversait le crâne le clouait au mât et le maintenait debout. La terreur enchaînait mes pas. De même que dans un cauchemar, j'osais à peine respirer. Enfin, mon compagnon se joignit et son saisissement fut égal au mien à la vue de ces cadavres amoncelés. Nous nous hasardâmes cependant, après avoir invoqué le prophète, à pousser plus avant. Mais à chaque pas que nous faisions, nous découvrions des choses de plus en plus horribles. Autour de nous, d'ailleurs, toujours même silence et même calme lugubre. Pas un souffle, pas un bruit. Rien ne bougeait, ici, ni là. Rien ne vivait, que nous et l'océan, dont le sein se gonflait et s'abaissait à intervalles égaux comme une poitrine humaine. Nous étions arrivés à l'entrée d'un escalier conduisant aux chambres du navire. Là, nous fîmes halte et nous nous regardâmes l'un l'autre comme pour nous demander s'il fallait pousser plus avant. « Oh, maître !» dit enfin mon serviteur. « Il s'est passé ici quelque chose d'effroyable, et peut-être les meurtriers occupent-ils encore le navire. Mais quoi qu'ils doivent nous arriver, descendons. Je ne saurais supporter plus longtemps cet horrible spectacle. » En bas comme en haut, régnait un silence de mort que troublait seul le bruit de nos pas. Nous arrivâmes à la porte de la cabine. J'y appliquai mon oreille et j'écoutais. Aucun bruit ne s'étant fait entendre, je poussai la porte. La chambre offrait l'image du plus complet désordre. Des habits, des armes, des objets de toutes sortes y gisaient pêle-mêle. Rien n'était à sa place. L'équipage, ou du moins le capitaine et ses officiers, devaient avoir fait dans ce lieu quelque orgie récente, suivie sans doute d'une rixe acharnée, car des taches de sang et de vin maculaient encore le plancher. Nous poursuivîmes notre inspection de chambre en chambre et d'étage en étage, et partout, nous trouvâmes une riche cargaison de soie, de perles, de poudre d'or et d'autres marchandises rares et précieuses. Cette découverte m'arracha pour un instant à mes sinistres préoccupations. Personne que nous, ne se trouvant sur le navire, je me croyais autorisé à m'approprier le tout. Et déjà, je voyais ma fortune faite, mais Ibrahim, de sens plus rassis, me fit observer que ma joie était au moins prématurée et qu'il fallait avant tout songer à gagner la terre. Après que nous nous fûmes un peu réconfortés avec des mets et des liqueurs que nous trouvâmes en abondance dans la cabine, nous nous décidâmes enfin à remonter sur le pont. Mais l'épouvante revint encore s'emparer de nous comme la première fois à l'aspect des cadavres. « Délivrons-nous en les jetant par-dessus bord, » dis-je à Ibrahim. « Mais jugez, si vous le pouvez, de notre terreur, quand nous nous aperçûmes que nous ne pouvions déranger de sa place aucun de ces morts. Il tenait au vaisseau par des liens enchantés. Le capitaine non plus ne voulut pas se laisser détacher de son mât, et nous ne pûmes même pas arracher son cimeterre de sa main roide et glacée. Lorsque la nuit commença à tomber, j'engageai le vieil Ibrahim à dormir un peu pour réparer ses forces, voulant moi-même veiller sur le pont et guetter s'il ne nous arriverait pas quelque secours.
La lune venait de se lever. Et d'après la position des étoiles, je calculais qu'il devait être environ 11 heures lorsqu'un besoin de sommeil si irrésistible s'empara de moi qu'involontairement, je me laissais tomber derrière un tonneau qui se trouvait sur le pont. Je ne dormais qu'à moitié cependant, car j'entendais très distinctement la mer battre contre les flancs du vaisseau et le vent gémir et siffler dans les voiles et les cordages. Tout à coup, je crus distinguer à mes côtés des voix et des pas d'hommes. Je voulus me relever pour m'assurer du fait, mais une puissance invincible tenait mes membres enchaînés, et il me fut impossible même d'entrouvrir les yeux. Cependant, les voix devenaient toujours plus distinctes, et il me semblait qu'un nombreux équipage s'agitait sur le pont. Par instant, le sifflet du commandement retentissait à mes oreilles, et je percevais très nettement alors le bruit de la manœuvre. Mais peu à peu, le sentiment m'abandonna, et malgré mes efforts pour résister à l'engourdissement qui me gagnait, je tombais dans un lourd sommeil, pendant lequel je crus entendre encore, mais un instant seulement, et d'une manière tout à fait confuse, les cris des matelots et comme un cliquetis d'armes. Lorsque je me réveillais, le soleil était déjà haut sur l'horizon et me brûlait le visage. Sur le pont, les cadavres gisaient immobiles. Immobile était le capitaine cloué à son mât. Décidément, le vacarme que j'avais cru entendre pendant la nuit s'était passé dans ma tête. J'avais rêvé. Je me levais pour aller chercher mon vieux serviteur. Il était assis dans la cabine et paraissait plongé dans une méditation profonde. « Oh, maître ! » s'écria-t-il lorsque j'entrai. « J'aimerais mieux être enseveli au plus profond de la mer que de passer encore une nuit dans ce damné vaisseau. »« Que t'est-il arrivé ? » lui demandai-je avec anxiété. Après que j'eus dormi quelques heures, reprit Ibrahim, je me réveillai. Et il me sembla que j'entendais courir bruyamment au-dessus de ma tête. Je pensais d'abord que ce pouvait être vous, mais en écoutant mieux, je reconnus qu'il devait être au moins une trentaine là-haut à faire leur vacarme. Enfin, des pas lourds retentirent sur l'escalier. On venait de ce côté. Cette porte s'ouvrit, et je vis alors ce même homme qui est cloué au mât. Je le vis s'asseoir, ici, à cette table, et chanter, et boire, et fumer. Et celui qui est revêtu d'un habit écarlate, et qui gît non loin de lui sur le pont, était assis en face de lui. Après avoir bu et fumé ensemble, ils parurent se prendre de querelle, et s'élancèrent hors de la cabine pour aller se battre sur le pont. Pour moi, saisi d'horreur, mes forces m'avaient abandonné. Je m'étais évanoui. Ainsi parla mon vieux serviteur, et vous devez penser dans quel trouble me jeta ce récit. Ce n'était donc pas une illusion. Je n'avais pas rêvé. C'était bien les morts que, moi aussi, j'avais entendu crier et courir et se battre autour de moi. L'idée de naviguer en pareille compagnie me causait une indicible horreur. Et je ne sais à quelle extrémité fatale j'allais me résoudre lorsque mon vieil Ibrahim, qui s'était replongé dans ses réflexions, s'écria tout à coup « Je les tiens à présent !» Il venait de se rappeler une petite formule que son grand-père, homme de longue expérience et très versé dans les choses occultes,
lui avait apprise autrefois, et qui pouvait, disait-il, protéger contre les esprits et les fantômes. « Il faut seulement, ajouta Ibrahim, que nous puissions lutter dans la prochaine nuit contre le sommeil surnaturel qui nous surprend, et nous y parviendrons, en priant avec ferveur. » Les paroles du vieillard me raffermirent un peu, mais ce ne fut pas néanmoins sans un grand sentiment de terreur que nous vîmes s'approcher la nuit. Il y avait à côté de la cabine une petite chambrette dans laquelle nous convînmes de nous retirer. Ibrahim écrivit le nom du prophète sur les quatre murailles et nous attendîmes ainsi les épouvantements de la nuit. Pouvait être 11 heures environ lorsque je me sentis gagné par une violente envie de dormir. Mon compagnon commença alors à réciter quelques versets du Coran. Je l'imitais et nous réussîmes par ce moyen à nous tenir éveillés. Au bout de peu d'instants, cela parut s'animer au-dessus de nous. Les cordages crièrent et l'on distingua nettement sur le pont des pas et des voix. Quelques minutes pleines d'angoisse s'écoulèrent. Soudain, un bruit plus rapproché se fit entendre. On descendit l'escalier de la cabine. À ce moment, le vieillard se mit à réciter la formule qu'il tenait de son grand-père pour conjurer les esprits. « Sylphes, descendez des hauteurs de l'éther, montez des abîmes de la mer, Ondine, Lémur, glissez-vous hors de vos noirs tombeaux, sortez de vos flammes, gnomes et salamandres. Allah est votre seigneur et maître, tous les esprits lui sont soumis. » Je dois l'avouer, je n'avais qu'une médiocre confiance dans l'efficacité de cette évocation, et je sentis tout mon être frémir quand la porte s'ouvrit. Revêtu d'un costume magnifique, et se dressant de toute la hauteur de sa taille, l'homme du grand mât venait d'entrer. Le clou lui traversait toujours le crâne, mais il avait remis son glaive au fourreau. Derrière lui marchait un autre personnage un peu moins richement habillé, et celui-là aussi, je le reconnus pour l'avoir vu étendu sur le pont. Le capitaine, car c'était lui, on ne pouvait s'y tromper, avait un visage pâle qu'encadrait une longue barbe noire. Une ardeur sauvage brillait dans ses yeux. Je pus le voir très distinctement lorsqu'il passa devant nous avec son compagnon, mais ni l'un ni l'autre ne parurent prendre garde à la porte qui nous abritait. Tous deux s'assirent à la table qui occupait le milieu de la cabine, et s'entretinrent avec de grands éclats de voix dans une langue inconnue. Ils paraissaient s'animer et se chauffer toujours de plus en plus, lorsqu'enfin, le capitaine lança sur la table un coup de poing si violent que la chambre en trembla. L'autre bondit avec un rire sauvage et fit signe au capitaine de le suivre. Celui-ci se leva, tira son sabre du fourreau, et tous deux s'élancèrent hors de la cabine. Lorsqu'ils furent sortis, nous respirâmes plus librement, mais nos angoisses n'étaient pas encore terminées. Le tumulte allait toujours grandissant sur le pont. On entendait courir çà et là, à pas précipités, et crier, et rire, et hurler. Puis un cliquetis d'armes retentit, un grand cri fut poussé, et tout à coup, il se fit un profond silence. Lorsqu'après plusieurs heures, nous osâmes remonter sur le pont, nous y trouvâmes toutes choses dans l'état où nous les avions laissées. Pas un cadavre n'était changé de place. Tous,
était roide et glacée, et dans les mêmes attitudes. Ainsi s'écoulèrent plusieurs jours sur ce vaisseau maudit, chaque nuit ramenant les mêmes scènes d'horreur. Cependant, nous nous dirigions toujours vers l'est où, d'après mes calculs, devait se trouver une terre. Mais si pendant le jour nous réussissions à faire plusieurs milles en avant, il semblait que pendant la nuit nous en fissions autant en arrière, car nous nous retrouvions toujours dans les mêmes parages au lever du soleil. À force de nous creuser la tête pour découvrir la raison de ce phénomène, nous pensâmes que sans doute les morts orientaient chaque nuit le navire dans le sens opposé à la direction que nous voulions suivre et nous faisaient perdre ainsi le chemin parcouru. Afin de parer à ce nouveau danger qui menaçait de nous retenir éternellement captifs au milieu de l'océan, nous résolûmes de ferler toutes les voiles avant que la nuit fût venue et de les mettre à l'abri des atteintes des morts à l'aide du même moyen dont nous avions usé déjà pour la porte de la cabine. Nous écrivîmes donc le nom du prophète sur un parchemin, ainsi que la formule du grand-père, et nous attachâmes le tout sur chacune des voiles. Cela fait, nous attendîmes avec anxiété dans notre cachette ce qu'il en adviendrait. Le vacarme parut être cette fois plus violent encore qu'à l'ordinaire, mais au matin, nous nous aperçûmes avec bonheur que les voiles n'avaient pas été déroulées. Nous les tendîmes plus dès lors que pendant le jour, et grâce à cet heureux stratagème, nous avançâmes enfin, lentement il est vrai, mais régulièrement. Le matin du sixième jour, nous découvrîmes la terre, et par un mouvement spontané, nous tombâmes à genoux, mon vieil Ibrahim et moi, et nous bénîmes le Seigneur pour notre délivrance miraculeuse. Nous allions donc rentrer dans le monde des vivants. L'espoir d'échapper bientôt à notre tombeau flottant, triplant nos forces, nous parvînmes à mouiller une ancre qui toucha le fond presque aussitôt, et mettant à la mer une petite chaloupe qui se trouvait sur le pont, nous fîmes force de rame vers le rivage. Après avoir pris dans un caravansérail quelques repos dont nous avions grand besoin afin de nous remettre de tant de fatigues et d'émotions, je m'enquis d'un homme sage et judicieux en donnant à entendre à l'hôte que j'avais à consulter sur les choses touchant à la magie. Il me comprit et me conduisit dans une rue écartée vers une maison de peu d'apparence à laquelle il frappa en me disant que je n'avais qu'à demander le sage mulet. « Vraisemblablement, me dit le sage mulet après avoir entendu mon histoire, c'est par suite de quelques crimes que les gens de ce vaisseau sont retenus par enchantement sur la mer. Le charme cesserait, je pense, si on les transportait à terre, mais on n'en pourrait venir à bout qu'en enlevant avec eux les planches sur lesquelles ils sont couchés. » Je promis à Mulet de le bien récompenser s'il voulait m'aider dans cette opération. Il y consentit, et nous nous mîmes en route, suivis de 5 esclaves munis de 6 et de haches. Chemin faisant, le vieux magicien ne pouvait assez louer la bonne inspiration que nous avions eue d'enrouler autour des voiles des versets du Coran. « Sans cette heureuse idée, répétait-il sans cesse, vous n'auriez jamais pu aborder aucune terre. »
Il était de bonne heure encore lorsque nous arrivâmes au navire. Nous nous mîmes tous à l'œuvre, et au bout de peu de temps, 4 des morts étaient déjà descendus dans notre barque. 2 esclaves les conduisirent à terre aussitôt pour les y ensevelir, mais lorsqu'ils revinrent, ils nous racontèrent que les morts leur avaient épargné la peine de l'inhumation. À peine avaient-ils touché le rivage qu'ils étaient tombés en poussière. Nous continuâmes notre œuvre, et avant le soir, tous les morts furent transportés à terre. Il n'en restait plus qu'un seul à bord, celui qui était cloué au mât. Mais nous cherchâmes vainement à arracher du bois le clou qui lui traversait le crâne. Aucun effort, aucun outil ne put le déplacer d'une ligne. Je ne savais plus à quel moyen avoir recours, à moins de couper le mât, lorsque un mulet s'avisa d'un expédient. S'étant fait apporter par un esclave un vase rempli de terre, il prononça dessus quelques paroles mystérieuses et le versa sur la tête du mort. Aussitôt, les yeux du cadavre roulèrent dans leur orbite. Il fit une profonde aspiration et, dans le même moment, la plaie de son front commençant à saigner, le clou se détacha de lui-même et le blessé tomba dans les bras d'un esclave. « Qui m'a conduit ici ? » dit-il d'une voix affaiblie. Et Mulet, m'ayant désigné du doigt. « Ah ! Soyez béni, jeune étranger !» poursuivit-il avec effort. « Vous m'avez arraché à un bien long martyr. Depuis 50 années, mon corps était errant sur ces flots et dans l'état où vous l'avez trouvé. Et chaque nuit, mon esprit était condamné à revenir l'animer d'une horrible vie. Mais à présent, la terre a touché mon front, et je puis réconcilier désormais, retourner vers mon père. Je le priai de nous dire comment il était tombé dans cette déplorable condition, et il reprit. Il y a 50 ans, j'étais un puissant seigneur et j'habitais Alger. J'avais assez de fortune pour ne faire aucun commerce, mais, poussé par la soif du lucre et pensant d'ailleurs pouvoir me livrer plus aisément ainsi à mes penchants déréglés, j'équipai un navire avec lequel je me mis à faire la course. Je menais ce train de vie depuis quelque temps déjà, lorsque je pris un jour à mon bord, à Zante, un pauvre derviche qui revenait de la Mecque. Mes compagnons et moi, nous étions de rudes gens, et nous avions fort peu de soucis de la sainteté du bonhomme. Plus d'une fois même, il fut, de notre part, l'objet d'indécentes moqueries qu'il supportait toujours avec douceur, se contentant de nous en reprendre doucement. Mais un jour où j'avais bu outre mesure, et que dans son saint zèle il me reprochait les dérèglements de ma conduite, la colère me saisit. Je l'abattis à mes pieds, et lui plantai mon poignard dans la gorge. En expirant, il nous maudit tous, et nous condamna, moi et mon équipage, à ne pouvoir ni vivre ni mourir, jusqu'à ce que notre tête eût été couverte de terre. Nous lançâmes le malheureux derviche à la mer en nous raillant de ses menaces. Mais la nuit n'était pas encore achevée qu'elles avaient déjà reçu leur épouvantable accomplissement. Une partie de l'équipage, entraînée par mon lieutenant, se révolta contre moi. Et nous nous battîmes avec une rage inouïe jusqu'à ce que tous ceux qui s'étaient rangés de mon parti fussent couchés à mes pieds. Pour moi, je fus cloué au grand mât par ces forcenés, qui ne tardèrent pas à succomber eux-mêmes aux graves blessures qu'ils avaient reçues. Et bientôt, mon navire ne fut plus qu'un immense tombeau. Mes yeux se fermèrent, ma respiration s'arrêta. Je crus mourir, mais, hélas, ce n'était qu'une sorte d'engourdissement passager qui m'avait saisi.
La nuit suivante, à la même heure où nous avions lancé le derviche à la mer, je me réveillais et tous mes compagnons avec moi. La vie nous était rendue pour quelques heures, mais sans que nous pussions rien faire ni rien dire de ce que nous avions dit et fait pendant cette lugubre nuit. Ce supplice horrible a duré 50 années. C'était avec une joie sauvage que nous nous lancions, toutes voiles dehors, dans la tempête, espérant qu'enfin les éléments seraient plus forts que l'anathème du derviche et que nous pourrions nous briser sur quelque écueil. Malheureux que nous étions, la mort ne voulait pas de nous. Mais à présent, je suis délivré. Je sens ma vie s'écouler peu à peu avec mon sang. Merci encore une fois. Si des trésors te peuvent récompenser, prends mon vaisseau. Je te le donne comme un faible témoignage de ma reconnaissance. Adieu. Ainsi dit le capitaine, et laissant tomber sa tête sur sa poitrine, il expira. Vous venez d'entendre Le Vaisseau Maudit, une nouvelle de Wilhelm Hauff, qui fait partie d'un livre comprenant également des nouvelles d'autres auteurs, et ce livre s'intitule Histoire d'océan maléfique, sorti à la librairie des Champs-Élysées. Les musiques étaient de Stravinsky, Richard Strauss, Richard Wagner et Rimsky-Korsakov. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité. Elle sera un petit peu longue cette semaine, puisque la courte histoire que vous venez d'écouter nous permet d'étoffer un petit peu plus les informations. Voici donc cette rubrique Actualité, préparée et présentée par Patricia. Bonsoir. À partir d'aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques informations sur ce qui se passe en ce moment à Montpellier ou dans la région. Ces informations recouvreront bien sûr les grands thèmes de cette émission, à savoir le fantastique, la science-fiction
les légendes et grands mystères qui nous intéressent. Cela au travers de rubriques telles que les expositions, l'art, le cinéma, les conférences et les livres. Commençons par les expositions à Montpellier. Depuis le 2 avril et cela jusqu'au 22 avril, une expo se déroule actuellement dans le hall de la gare intitulée « Sur les traces de la bête ». Il s'agit de la bête du Gévaudan, légende bien connue dans la région et ailleurs. La bête dont on n'a jamais su s'il s'agissait d'une sorte de loup ou d'ours féroce terrorisait la région du Gévaudan, pays pauvre et froid, couvert de landes et de forêts pendant les années 1765 à 1768. Cette exposition représente le fruit de recherches actives du Théâtre de la Rampe, du groupe Sauveterre et de Claude Alranque, qui se sont passionnés pour ce sujet au point même de monter un grand spectacle musical intitulé « La bête du Gévaudan ». Cette expo, enfin, a été rendue possible grâce au travail d'un ethnologue, Daniel Fabre, d'un écrivain, Roland Pécou, et d'un historien, Jacques Fressange. Les photographies, réalisées par Frédéric Jolm, situent le drame dans son environnement naturel, retraçant l'historique des événements, montrant l'impact de la bête. Et enfin, l'expo est illustrée par des vues du spectacle, des maquillages et des costumes. Pour les amateurs d'art plastique, une exposition se tient à la galerie Place des Arts, 8 rue de l'Argenterie, sur le thème « Vivre sa mort ». C'est une expo à laquelle ont participé 15 créateurs qui se sont exprimés à partir de la terre, du cuir et du verre soufflé. Vous pouvez la voir jusqu'au 21 avril, du mardi au samedi. Autre exposition, cette fois à la Maison pour tous Joseph Ricaume, 7 rue Pagès. Une exposition de livres et de reproductions sur des illustrations de contes de fées. Vous pouvez y amener les enfants, bien sûr, puisque c'est le public le plus concerné. Cette exposition est présentée par le Théâtre du Blé Noir et de la Bibliothèque Municipale. Dernière exposition, cette fois, pas à Montpellier, mais à Bordeaux, qui s'intitule « Archéologie du futur ». Exposition faite de sculptures, d'objets, de matériaux divers, qui sont composés de telle façon à vous donner une vision cosmique d'un monde. L'exposition est prête à vous faire un voyage très insolite. Mais je vous en dirai plus la semaine prochaine, car de toute façon, cette exposition se déroulera à partir du 7 avril et jusqu'au 23. À ne pas rater si vous avez l'occasion d'aller à Bordeaux. Petite rubrique artistique, enfin, par le ballet. Il faut signaler le dernier Béjart, Messe pour le futur. Une chorégraphie admirable tout en symbole. Rubrique cinéma. Time Rider, ou le cavalier du temps perdu, qui a obtenu un prix au Festival d'Avoriaz cette année. Réalisateur, William Dear. Acteur en tête d'affiche, Peter Coyote et Belinda Bauer. L'histoire ? Des savants fous envoient à la suite d'une erreur de manipulation un motard du XXe siècle dans le XIVe. Et voilà que se côtoient d'un côté notre héros pétaradant sur sa moto et de l'autre de preux chevaliers galopants, ce qui promet de l'aventure, à voir aux cassettes. Sueur froide ou Vertigo, le titre original. Une grande reprise d'Hitchcock, car le film date déjà de 1958. Les acteurs principaux en sont James Stewart et Kim Novak. C'est une intrigue policière à vous donner, sinon le grand frisson, le grand vertige. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Notre héros, sujet au vertige, ne peut empêcher l'héroïne dépressive dont il est amoureux de se jeter du haut d'un clocher. Il rencontre alors le sosie de sa belle et va réinventer la première au-delà de la mort.
à voir ou revoir au polygone. Dead Zone, ou Terrain Vague, a eu aussi un prix au festival d'Avoriaz cette année. Le réalisateur en est David Cronenberg. Les acteurs principaux, Christopher Walken, Brooke Adams. C'est un film adapté d'un best-seller de Stephen King. L'histoire, un jeune universitaire, le héros, est victime d'un accident de la route qui le plonge 5 ans dans le coma. Quand il s'éveille, il se découvre un don prémonitoire peu commun. En effet, il peut voir le passé secret et l'avenir des gens qu'il rencontre. À voir au Capitole, en Dolby Stéréo. Dans un tout autre style, pour les enfants et pour les adultes qui ont gardé un regard d'enfant, Merlin l'Enchanteur, un très bon dessin animé des studios de Walt Disney, qui nous montre une vision féerique du Moyen-Âge, au temps du roi Arthur et de la célèbre épée Excalibur. On assiste, pendant le déroulement du film, à des métamorphoses, des voyages dans le temps et l'espace, des duels, de sorcellerie. À voir ou revoir au palace. Pour revenir au fantastique avec une petite note d'épouvante, les nuits du cinéma, au Petit Odéon, dimanche et lundi, à partir de 22h50. Trois films. L'abattoir humain, Touriste Trap et La pluie du diable. À signaler le prix, 40 francs les trois films. Et enfin le spécial du samedi soir à 00h30 au Gaumont, Dracula. Rubrique des livres ou dernière rubrique de la soirée. Nous avons retenu trois éditions, les éditions J'ai lu, les éditions Presse Pocket et celle du livre de poche. Tout d'abord aux éditions J'ai lu, deux romans à présenter qui sont sortis, La fin du A de Van Vogt qui clôture la série dont les précédents volumes sont, si vous les connaissez, Le monde des A et Les joueurs du A. L'énigme dans ce dernier roman trouve enfin sa solution. Autre roman, Les robots de l'aube, d'Isaac Asimov. C'est encore un roman qui conclut une série de deux autres volumes que vous connaissez probablement, Les robots et Les cavernes d'acier. Dans Les cavernes d'acier, l'action se déroulait, je vous le rappelle, dans des cités souterraines du futur. Dans Les robots, on assiste à leur évolution. D'abord, ils sont esclaves des hommes et ensuite, ils deviennent leurs maîtres. Aux éditions Presse Pocket, trois livres ce soir. Le livre des crânes de Robert Silverberg. Histoire à donner des sueurs froides, le dernier paru de la série des Hitchcock présente. Et Le jeu de la possession de John Brunner. Enfin, aux éditions donc du livre de poche, Histoire de surhomme, le dernier dans la série de la grande anthologie de la science-fiction. Voilà qui clôture notre petite revue d'infos de la semaine.
voilà, c'était les actualités de Démons et Merveilles, présentées par Patricia. Autre nouveauté à partir de la semaine prochaine, puisque nous ouvrirons pour vous un dossier, en plus de la nouvelle et des actualités, dossier qui vous sera désormais présenté une fois par mois, et où l'on parlera de sujets insolites, étranges, comme par exemple le monstre du Loch Ness, mercredi prochain, ou encore les trous noirs, les ovnis, les sorcières, les dragons, les villes et les continents engloutis, et tant d'autres phénomènes étranges survenant dans notre monde. Donc, premier dossier, mercredi prochain. Je vous donne à présent le programme pour la semaine prochaine. Nous aurons la nouvelle, il s'agira de La fille de la pluie de Thomas Owen, les actualités de Démons et Merveilles et donc le dossier mensuel dont le sujet sera l'énigme du Loch Ness. D'autre part, je vous rappelle que si vous écrivez vous-même des nouvelles fantastiques ou de science-fiction et que vous aimeriez les entendre raconter à l'antenne, eh bien pour cela il vous suffit d'écrire à l'émission Démons et Merveilles L'écho des Garrigues, boîte postale 5555, 34050, Montpellier-Cedex. Ou bien vous pouvez téléphoner aussi au 40 01 05. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je remercie Didier qui est à la technique. À la semaine prochaine. Bonsoir.